Dans cette vidéo, vous apprendrez à coudre l'ourlet d'un engraka. L'ourlet protège le bord du vêtement brut, tout en lui donnant une finition soignée. Pour savoir comment assembler les pièces, regardez notre vidéo précédente. Tout d'abord, commencez par créer le pli tout le long de l'ourlet, marqué par une encoche. Appuyez avec votre doigt tout le long du tissu pour créer un pli qui vous servira de ligne directrice. Maintenant, rentrez l'extrémité brute du tissu vers l'intérieur pour faire un double pli, comme indiqué sur la vidéo. Fixez le pli à l'aide d'une série d'épingles également espacées tout autour du vêtement, tout le long du bord inférieur. Placez ensuite une extrémité de l'ourlet sous l'aiguille et commencez à faire une série de points sur la largeur du pli. Lorsque vous atteignez le coin, l'aiguille étant insérée, relevez le pied de biche et faites pivoter le tissu à 90 degrés avant de continuer à coudre sur la longueur de l'ourlet. Retirez les épingles une à une à mesure qu'elles s'approchent de l'aiguille. Lorsque vous atteignez la fin de l'ourlet, tournez votre tissu de 90 degrés et cousez tout le long de la bordure sur le bord inférieur de l'ourlet. Coupez votre fil. Vous avez maintenant appris à coudre l'ourlet d'un engraka. Pour apprendre à coudre les cordons de serrage, regardez notre vidéo suivante.